Canada is a maritime nation with the longest coastline in the world, large navigable waterways, and many ports of call in the Great Lakes and the Atlantic, Pacific, and Arctic Oceans. Now, because much of Canada's trade is carried by ships, we depend on maritime trade to sustain our economy. We also understand the vital role the International Maritime Organization plays as the primary regulator of international shipping and recognize the critical forum it provides to improve marine safety and security and to prevent pollution. En tant que membre de l'OMI depuis sa création en 1948, le Canada contribue fortement à un certain nombre d'enjeux de grande envergure. La prévention de la pollution, la protection des écosystèmes marins, l'égalité des sexes, l'avancement de la modernisation de l'OMI et les droits des navigateurs figurent parmi nos principales priorités. Le Canada soutient depuis longtemps l'Université maritime mondiale et finance la présidence canadienne pour la protection du milieu marin depuis 2006. The human element is of great importance to Canada, and we have worked hard, both at home and internationally, to ensure that the safety, health, and well-being of seafarers are protected at all times. Canada is also continuing to advance gender equality by working to remove barriers and promoting diversity domestically and internationally. L'avancement des travaux sur les questions environnementales demeure une priorité pour le Canada. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à mettre en œuvre la stratégie initiale de l'OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, à réduire les émissions de carbone noir dans l'Arctique et à collaborer avec d'autres États membres pour faire avancer les travaux sur les salissures marines et la gestion des eaux de ballast. We have also implemented the Azotus and Noxious Substance Protocol, continue to address the issue of ship source pollution, and are working to combat the effect of underwater noise on marine mammals. As an Arctic nation, Canada has played a leading role in the development of the Polar Code at the IMO, leveraging over 50 years of experience as a world leader in the oversight of Arctic shipping. We are also working to proactively address global maritime safety and security issues by participating in annual capacity building exercises in Eastern and Western Africa. Compte tenu des caractéristiques géographiques du pays, de sa participation active au commerce maritime et de ses antécédents en matière de leadership à l'OMI, le Canada souhaite continuer à collaborer avec les membres du Conseil et jouer un rôle de premier plan dans les activités de l'OMI. Thank you.